Hamon & Benson. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite en parlant de Matsuko, qui expérimente donc des appels vidéo avec un hologramme et surtout avec Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone. Donc vous voyez qu'il y a le monde de la téléphonie européenne qui est présent afin de développer cette technologie. Et le but, c'est d'expérimenter la première plateforme européenne de communication holographique. Alors, c'est le Huffington Post qui nous en parle. Cela consiste à intégrer des hologrammes dans les communications vidéo, grâce notamment aux possibilités offertes par les technologies 5G. L'objectif est de permettre à une personne munie simplement d'un smartphone 5G de se filmer avec la caméra et d'apparaître à ses interlocuteurs en hologramme 3D haute définition. Alors, ça serait projeté dans un environnement virtuel ou en superposition de l'environnement réel. L'hologramme sera visible à travers des lunettes de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.